Avec qui je partagerais mon plus gros secret? Déjà, je ne partagerai pas mon plus gros secret avec Seb, parce que je sais qu'à la minute, même à la seconde où je vais le dire, il va le dire partout, même s'il peut faire une affiche pour le dire sur tous les réseaux, il va le faire. Non. Avec qui aimerais-tu être coincé dans un ascenseur? Déjà, je n'aimerais pas être coincée dans l'ascenseur avec Sebidadi et Adé Laurent, parce qu'on a déjà été coincés dans l'ascenseur et j'étais choquée. Ils avaient plus peur que moi. Il y avait Gabi, ils avaient plus peur que nous. Ils étaient là, genre, excusez-moi, excusez-moi, sortez-moi de là et tout. Genre, je les ai vus se transformer en fait. Et du coup, non. Ça se voit que eux, ils prendraient tout l'air pour eux, ils nous laisseraient aucun air, non. Après, peut-être Adé, je resterais coincée dans un ascenseur avec Adé parce que c'est lui qui a ouvert la porte quand on était coincés. Du coup, ouais, pourrait nous sortir de là. Avec qui aimerais-tu te retrouver sur une île déserte? J'aimerais bien me retrouver sur une île déserte avec ZK. Je sais pas si vous connaissez, c'est un trader de Dubaï. Il fait des vidéos et tout sur TikTok. Et en gros, il est grave aventurier, tout ça. Genre, ça se voit que ce serait un bon compagnon d'aventure. Il est grave débrouillard. En plus, son rêve, c'est de faire Koh-Lanta. Donc, voilà. Avec qui pour passer une nuit? Avec qui je voudrais passer une nuit? Avec un acteur, il s'appelle Nassim Lies. Je sais pas si vous voyez c'est qui, mais il est trop beau. Genre, physiquement, il est archi beau. Bah, je le trouve charismatique. Et du coup, j'aime bien. En plus, en ce moment, j'ai dit, je suis dans le rebeu love. Et du coup, j'aime trop. Avec qui pour passer la vie? Avec qui j'aimerais passer ma vie? J'aimerais passer ma vie avec Gabi. Je pense qu'on passerait une trop belle vie ensemble. Du coup, je pense avec Gabi, on s'entend trop bien. Avec Gabi, on est comme si on était un peu pareil. Et on s'aide, on s'épaule beaucoup et tout, parce qu'on est dans le. On fait les mêmes choses en fait, on fait tout en même temps. Genre, on a fait des chirurgies en même temps, on a fait plein de trucs en même temps, on fait tout. Dès qu'on fait un truc, on fait en même temps. Et on a dit d'ailleurs qu'on allait avoir un enfant en même temps. Donc dès qu'elle va tomber enceinte de Seb, il faut vite que je trouve un mari parce qu'on veut avoir notre enfant en même temps. Avec qui pour prendre une douche? J'aimerais prendre une douche avec Carla Vix parce qu'on a déjà fait une collab pour nos plateformes au spa et franchement c'était incroyable et j'ai bien envie de réitérer à la douche du coup. Avec qui pour partager ton plus gros secret? Avec qui je partagerais mon plus gros secret? Déjà je partagerais pas mon plus gros secret avec Seb parce que je sais qu'à la minute même, à la seconde où je vais le dire, il va le dire partout même s'il peut faire une affiche pour le dire. Sur tous les réseaux, il va le faire. Non. Avec qui je partagerais un secret? Je pense que je partagerais un secret avec Brian, avec Brian Boy, parce que lui, c'est un mec, il sait bien garder les secrets quand même. Bah déjà, lui, il garde ses propres secrets, mais il sait bien garder les secrets. Avec qui pour faire un tatouage en commun? Avec qui je ferai un tatouage en commun? Je pense que je ferai un tatouage en commun avec ma sœur, parce qu'on en a déjà un ici. Et du coup, bah, pourquoi pas en faire un deuxième? Au moins, je suis sûre qu'on est liés à vie, quoi. C'est pas un tatouage que je vais regretter. Avec qui pour envoyer des nudes? À qui j'enverrai des nudes? Franchement, j'enverrai des nudes. Déjà, je dois déjà en envoyer à mes abonnés. Du coup, je sais pas à qui d'autre j'enverrai des nudes. J'enverrai juste peut-être à mes popsies, c'est tout. Avec qui pour aller dans un shop? Avec qui j'irai dans un shop? Pourquoi pas, j'irai avec Carla Talon. Parce que souvent on aime bien, quand on fait des collabs, mettre des tenues assorties. Du coup, on achèterait plein de petites tenues ensemble et ce serait trop bien. Carla Talon, je l'aime bien, elle est sympa et tout, mais enfin, j'ai rien de spécial à dire sur elle. Mais juste pense qu'elle devrait faire attention à Brian. Parce qu'elle a l'air vraiment amoureuse, donc elle devrait faire attention à Brian. Avec qui pour échanger un baiser? Avec qui j'échangerais un baiser? J'échangerais bien un baiser avec Bahao. Parce qu'en fait, j'aime bien les mecs comme ça, genre j'aime bien un petit peu les choquer et tout. Genre, je sais pas, je trouve qu'il est tout timide et tout. Genre, j'aime trop les choquer un petit peu. Avec qui pour faire ta prochaine collab? Alors, avec qui j'aimerais faire ma prochaine collab? Franchement, j'ai pas d'idée. Donnez-moi des idées. Avec qui vous me verrez faire ma prochaine collab? Mais je pense que je me suis fait à moi-même. Et voilà. Bisous!